Source de gloire est passée, quand le nom de la tyrannie n'est pas ma foi d'impunité. Mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aujourd'hui, la France est en danger. Les puissances de la finance veulent détruire notre culture. Les puissances de la finance méprisent le peuple de France et sa longue histoire. Aujourd'hui, avec l'amour de la France chevillée au corps, pour représenter tous ces Français attachés à la France, je jure sur ce que j'ai de plus sacré, sur tous les élans de mon cœur attachés à notre mère chérie, la France, de défendre contre tous ceux qui méprisent la culture française, de défendre notre belle patrie. Et à quelques jours des élections, avec tous ces Français qui aiment la France, je fais mienne ces antiques paroles. La victoire, en chantant, nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez, ennemis de la France! Le peuple souverain s'avance. Tyrans, descendez au tombeau. La République nous appelle. Sachons vaincre ou sachons périr. Pour elle, un Français doit vivre. Pour elle, un Français doit mourir. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez, ennemis de la France, ça avance. Tyrans, descendez au tombeau. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Nous sommes à 11 jours des élections françaises. Un des candidats, issu du monde de la finance, un des candidats qui se prétend révolutionnaire, un des candidats qui a fait ses millions sur le dos des chômeurs, a également insulté la mémoire de l'histoire française, a insulté la culture de la France en disant qu'il n'y avait pas de culture française. Nous sommes des millions de Français à être choqués parce que nous sommes des millions de Français à aimer beaucoup notre mère chérie, la France. Donc aujourd'hui, nous avons symbolisé la France parfois mourante, la France que beaucoup négligent et tous ces Français qui l'aiment encore et qui veulent la sauver. Et notre action vise à mobiliser pour que tous les Français qui aiment la France aillent voter massivement lors des élections. Nous faisons confiance aux Français et nous appelons également à aller huer le banquier candidat à Bercy le 17 avril. Personne n'est parfait et moi-même je suis contre l'idée d'un régime quasi monarchique que la 5ème République, mais ça ce sont mes convictions personnelles. Personne n'est parfait, néanmoins un candidat qui ressemble à une arnaque, un candidat qui a tout l'air de faux, n'oublions pas que c'est un candidat qui fait essentiellement du théâtre, qui fait du marketing. On ne peut pas faire confiance
Par contre, quand il a des propos scandaleux, alors même qu'il est censé faire plaisir à tout le monde, ça c'est très inquiétant. Donc Marianne symbolise la France, une France blessée, une France qui est à l'agonie, mais une France qui peut revivre. Nous souhaitons une renaissance française, vraiment, que tous ceux qui aiment la France s'investissent. Il n'est pas l'heure du découragement, c'est l'heure de l'engagement patriote. Et nous avons pris les deux hymnes nationaux de la France qui tombent en désuétude. Il faut savoir que le CSA a interdit la Marseillaise dans les clips de campagne. La Marseillaise, hymne national. Dans tout autre pays, ceci serait scandaleux. Donc nous avons fièrement chanté la Marseillaise, ainsi que le chant du départ, un autre chant révolutionnaire qui est une apologie de la liberté et qui, dans les paroles, on dénonce les rois ivres de sang et d'orgueil. Bah, je pense que ça s'applique à Monsieur Macron, parce que déjà, s'il veut un poste quasi monarchique, et puis en termes d'orgueil, eh bien, on sait de qui on parle. En tant que je promeux vraiment l'engagement citoyen, donc je n'ai pas à faire part de mes préférences personnelles. Je fais confiance dans les citoyens, l'important c'est d'aller voter en masse. Il m'est arrivé qu'on m'attribue une étiquette malgré moi. Alors, Trocadéro, c'est parce qu'il y a quelques symboles en France, dont la Tour Eiffel. C'est probablement la meilleure perspective sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est ce symbole qui date d'un siècle et quelques années déjà, et qui nous rappelle que la France a traversé de nombreuses histoires, dont l'époque moderne où on était encore très fiers de la France.